président de l'époque, Jean-Claude Faust. Les applaudissements sont en plus demandés, Sébastien Nicollet, Freddy Reinheim. Des joueurs notamment, et voilà, coup d'envoi donné par monsieur Orban avec un premier puck dans les rangs, on est à la ligne bleue avec Thomas. Thomas retour à Nicolas Boyan, un peu au premier poteau, ça ne passe pas, retour à la bas côté gauche, un tir de Patrick Berger directement dans les jambières de Thomas Hetzi. Juster qui déboule côté gauche avec Tupé le tir contré de la grand puck sur Thomas Boyat. Thomas Boyat un puck dans la mêlée directement sur Florin Brunner. C'est Hope qui récupère pour Vicky Munzingen. Attention, un homme seul devant une scie qui repousse de la canne. Bien joué du gardien Franck Montagné. Avec Baptiste Berger pour Damien Wegmüller, un tir directement sur NC qui relâche, ça revient dans une canne bernoise avec en possession de la rondelle avec Walter qui s'échappe côté droit, un tir contré par NC, un peu qui première rencontre du côté de Lille-Fils de Langnau. On avait un jeu assez vertical, un jeu assez direct de la part de Vicky Mé sur le côté droit, arrivée de Gigon en soutien un peu que sur Emery, la reprise directement dans des jambières bernoises. Là, avec Tupé Prenax, Tupé qui récupère peut-être pour le tir contré dans les jambières de Brunner. Dans la rue du côté gauche, Baptiste Berger qui tire dans le filet extérieur. Heureusement pour eux, le HC pour Nicolas Boyat cette fois-ci. Et Nicolas Boyat un peu au centre, retour sur Emery, le tir direct dans la mitaine de Brunner.
passage et les Bernois qui repartent à l'offensive. Encore 25 secondes de power play pour les Bernois avec cette nouvelle parade de Thomas Hennessy. Le portier jurassien qui semble touché là-bas, qui demande au trio arbitral d'arrêter le jeu. Alors qu'un joueur de Vicky Munzingen là vient d'être pénalisé pour 2 minutes à Power Play. Tégnon tout de suite en place avec une reprise. Alors qu'un joueur de Vicky Munzingen là vient d'être pénalisé pour 2 minutes à Power Play. Tégnon tout de suite en place avec une reprise. Centre de loisirs, Timothée Tupé, la opportuniste hein, sur cette... C'est Thomas qui récupère cette rondelle, un tir directement cerclé par Thomas Hennessy. Encore 1 minute et 53 secondes qui attendent de revenir sur la cage, encore 5 secondes à disputer, il faut tirer messieurs les jurassiens et ça sera trop court. Un peu gelé contre la bande, mais la sirène qui retentit. Voilà donc qui met un terme à cette partie et très certainement aux espoirs jurassiens d'accéder à la finale de ce tour final de Premier League. Franche-Montagne qui reste scotché à 0 points après 3 journées dans ce tour final. Le HC Franche-Montagne qui s'incline 2 à 1 ce soir, on a envie de dire à cause du réalisme puisque les occasions étaient là, il y avait la place pour l'emporter. Et bien malheureusement Franche-Montagne doit se contenter de la défaite pour ce qui sera son dernier match à domicile de cette saison. Une saison qui restera bien entendu gravée dans les mémoires avec ce titre de champion roman amateur avec la belle image de la soirée, la Laurent. Franche-Montagne, aidez-nous.